Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo sur un joueur romain dans Z. Donc, pour ceux qui étaient sur mon live hier, donc le 30 octobre, vendredi soir, ceux qui étaient sur mon live, voilà, on peut voir que j'ai discuté beaucoup avec Est-Ouest. Et voilà, on a fait une draft. Et j'ai eu Romain Danzé en défenseur au roi et il m'a dit qu'il était fan du Stade Rennais et du coup voilà j'ai pris Romain Danzé alors qu'il y avait du Carvajal, il y avait d'autres choses, il y avait plein de gros joueurs mais vu qu'il était pour le Stade Rennais il m'a dit vas-y prends Danzé, on va bien rigoler et franchement j'ai pris Danzé et j'ai kiffé, franchement il était vraiment très très chaud et du coup bah voilà pour lui faire une petite dédicace je fais on va faire un match avec Romain Danzé en BU et je lui ferai ça en vidéo. Donc sur YouTube, donc c'est ce que je suis en train de faire et je pense que ça va nous faire une petite série, ce sera une hors série mais ça sera quand même une espèce de petite série, ça sera le joueur de l'abonné, donc c'est à dire que voilà dans les commentaires vous me proposerez un joueur que vous adorez et je le mettrai en buteur, peu importe quel poste il joue et je ferai une petite équipe autour de lui. Voilà, j'ai une petite équipe de Ligue 1 non rare, voilà, c'est pas, c'était juste pour voilà, faire un petit match comme ça tranquillement. Ça fera un seul match, donc je vais pas dépenser non plus des millions de crédits. Donc, dans lesquels j'aurai le Carrasco, du Isla à droite, du Spajic, du Umtiti en défense centrale, on a du Paul à gauche, du Fofana et du Fernandez, MDC, du Grenier, du Cabela et du Quintero. Et moi, c'est bien sûr devant, on a notre. Danzé, Romain Danzé, la danse, comme on l'appelle, Cap Danzé, les gars. Donc, ça sera en live, comment t'arrives. Match Lucas Kamba, ça sera un match en entier. Voilà, on pourra aussi discuter un petit peu de choses. Voilà, que vous avez certainement pu apercevoir sur YouTube. Et. Aussi voilà les vidéos il y en a un petit peu moins tout simplement parce que je suis en ce moment à la recherche d'une série parce que voilà les deux séries que j'avais commencé à monter il y en avait une j'avais déjà fait l'annonce que bah voilà on avait terminé à couper parce que voilà pendant moi j'ai eu un petit problème familial et du coup bah voilà, je jouais mais sans hors vidéo et sans faire exprès, voilà, je m'en foutais du jeu, je voulais jouer mais pour me détendre et du coup je jouais en division. Et du coup bah voilà, on avait rentré dans la division, du coup bah on avait un petit peu avancé et reculé, du coup bah, j'avais ouvert aussi des packs là, pour me détendre, j'aime bien ouvrir des packs pour me détendre et du coup bah voilà on n'était plus pareil pour les joueurs et du coup bah c'était un petit peu difficile après reprendre une série alors qu'on n'était plus pareil, enfin, on était plus au même endroit arrêter un épisode et après reprendre un épisode d'après pour moi que ce soit la suite je veux pas que ce soit bah on est en div 4 puis d'un seul coup on est en div 7, hein, on est en inverse. On est en div 7 puis d'un coup on est en div 4. Bah, du coup bah, voilà, je préfère clairement arrêter cette série. Et la série elle est complète 2, bah tu sais quoi, en ce moment on me saoule un peu. Je prends pas trop plaisir à jouer avec. En fait c'est. J'ai été joueur vraiment merdique. C'est un peu casse-couille franchement. Je sais pas si vous avez essayé. Donc avec des joueurs qui sont vraiment mieux, bah c'est chiant parce que je prends pas de forme de plaisir. C'est vrai que la série elle est plaisante en fait à regarder, mais à jouer elle est un peu chiante. Oh le but de mon adversaire, on va faire le score 7ème de jeu. Olivier Pato. Alexandre Pato pour faire ce but pour mon adversaire. C'est dommage hein. C'est dommage. On va essayer quand même de gagner ce match. On va se concentrer un petit peu plus tout en parlant, c'est compliqué. Hein. Déjà, c'est mon premier. Et j'avoue que c'est compliqué à parler et à jouer en même temps. Et 2-0 pour mon adversaire, on prend cher. On prend cher, parce qu'on croit que le pif là.
Philippe Anderson, une forme qui vient de mettre 2 DP à 0. Allez, c'est pas grave, Interro. Voilà, Interro, on se casse la cage tout de moi, je crois. Ah putain, mais putain de pif qui me rate. C'est bon. Allez. Ouais, du coup, bah les gars, je suis à la recherche d'une série, donc si vous avez des idées de série, bah, dites-le moi dans les commentaires, ça serait. Là, ça fera une série, enfin, je pense qu'on peut faire une petite série sur ça. Voilà, parce que là, j'ai pris une équipe un peu merdique, mais je pense qu'on pouvait faire un petit français, je pouvais faire une bonne ligue 1, mais voilà, j'ai préféré faire un peu à l'arrache, j'avoue que je fais ça un petit peu à l'arrache, et j'avais envie. Allez, allez la danse. Ah, dommage. Et moi, je vais l'improviser. Je voulais faire ça, mais voilà, sans trop perdre de frame, parce que là, j'ai fait un pas de frame, et je voulais faire avec. Voilà, dans mon live, je voulais faire un pack opening. Et du coup, je voulais faire un pack opening, mais je voulais faire avec des points FIFA. Malheureusement, j'ai pas pu acheter de points FIFA, du coup, bah, j'ai fait avec mes crédits, du coup, j'ai plus de crédits, du coup, voilà, j'ai fait une équipe Nora, comme ça, je savais que j'allais pas trop dépenser de crédits. Allez, ah, défensivement, ça chie. Oh, 3-0. Sur un ses pieds, il avance, il tire. Il n'arrive pas à prendre la balle là. Ah, c'est dommage. Avec son putain, puis c'est pif qui me rate, c'est vrai. Dommage. Allez, essayez de marquer quand même. Essayez de marquer quand même avec vraiment tendance, c'est vraiment excellent. Le développement sur la réussite. Marquez comment danser. Allez, attention à pas faire non plus une valise. Parce que là, j'ai 3 euros, ça fait beaucoup déjà, 3 euros. Et on va danser. C'était une bonne frappe de loin, style 4, caractéristique, rapport de main. Ah, mais là par contre, la défense est vraiment 0. Impressionnant, je compte que contre des Louise là. Ma défense qui s'écarte à chaque joueur. Un petit peu chiant quand même. Avec Carrasco. Avec trou de balle. Qu'avait la faute. Ah, ça passe pas. Ça va lancer pied un truc. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, mais par contre, je peux rien faire. Mais là, c'est un truc de fou. 4-0-32ème minute, c'est horrible. C'est horrible. Je suis en train de subir une valise là. La valise. Je suis en train de prendre la valise du siècle là. C'est déjà fait plus longtemps. Ah mais oh là là, c'est horrible. Allez. Et puis faute. Non. Bon bah ok, tant mieux. J'ai pris jaune pour moi ça. Ah, bon, dit dommage. Allez, on va danser. Allez, on va danser. Ah, mais voyez, j'ai la balle et. Lui, il avance et il a la balle. Moi, je tape. Oh, on va danser.
à l'époque d'Hero. Cadre là, mais cadre là. Allez, c'est pas grave, on continue. On va essayer d'aller marquer ce but, hein. Au moins un petit but pour sauver l'honneur. Allez, un peu de physique, les gars. Allez, Umtiti. Non, non, Umtiti, fais attention à ce que tu fais, gros. C'est bientôt la victoire, les gars, c'est bientôt la victoire. Et on est en train de faire une connerie. Allez, voilà. Ah, dommage, dommage, Romain, on sait que t'es parti mi-temps. Hein. 4 buts, 4 tirs cadrés pour l'adversaire. Seulement 2 tirs cadrés pour nous au cadré de frappe de Quintero. On l'a pas si mal, mais on n'a pas d'occasion. Et c'est très compliqué ce match, c'est très compliqué. Mais voilà, j'espère que Est Ouest ton pseudo de Twitch, ça te fait plaisir cette petite vidéo. Voilà, tu l'avais mis, elle est présente. Et bah ben, maintenant même, ça va même me lancer sur peut-être une petite série. Le joueur de l'abonné, voilà, je pense que ça, je vais l'appeler comme ça, le joueur de l'abonné. Et voilà, dans les commentaires, mettez-moi le joueur que vous préférez. Et je prendrai un de ces joueurs pour le prochain épisode. Donc à chaque fois, ce sera un seul match. Voilà, pas me prendre la tête à faire une compétition, machin, tout ça. C'est juste un petit match en direct. Allez, on va essayer de le tirer pour m'avancer. Direct. Ah, dommage. Oh, la tête! Ouf, dommage. Allez, Romain. Puis voilà. Juste un petit match en direct live. Sans coupure en match entier. Voilà, ça va me permettre d'essayer de m'améliorer comment t'arrives, car à chaque fois je sais pas trop quoi dire et là ça commence à m'arriver. Et du coup voilà, plus je vais parler je pense, plus je vais sur la vue et je pense plus je vais avoir des choses à vous dire concernant ma vie sur YouTube. Je vais pas aller caber là. Oui, Cabela. Encore Cabela, tu te remets dans l'axe. La grosse frappe de Cabela. Ou Pelara de son gardien. Par contre, ce pif qui me correcte là depuis tout à l'heure, c'est chiant. Et après, on va t'en rendre compliqué. Voilà, mettre Cabela. Cabela, tu. Ah non. Oui, la remettre à Romain Danzé. Lui, il a. Il la met dans l'axe. Et pas plutôt bien joué. Allez, allez, balle. Et ben, tu l'as stoppé sur la ligne. Allez, Romain Danzé. Romain Danzé, dommage, 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 dommage. Ah, c'était pas trop, trop mal parti. Allez. Ah, dommage, premier. Allez, blessure là de. Je sais pas qui, je crois que c'est Fofana. La frappe! Il est dangereux quand même, mon adversaire, très très dangereux. Bon, après, il est déjà 4-0, donc heureusement qu'il est dangereux. Alors, on le sait qu'il est déjà dangereux. S'il serait pas dangereux, il serait peut-être un peu à 0-0. Allez, Quintero. Allez, accélère. Là, je pense qu'il avait 4 étoiles, j'ai même pas regardé, j'ai l'impression qu'il avait que 3 étoiles. Oh, oups, oups. Oh. Faut sur Grenier. Oh la fonte! Oh monsieur l'arbitre là! Putain, puis la ligue plus favorable avec son Philippe Anderson. Une forme là.
Al-Kabila. Allez, allez la danse. Allez, Romain Danzé. Romain Danzé. Cola Solia. Yes. Romain Danzé. Oh yes les gars. Romain Danzé. C'est le but. C'est bon. La vidéo est réussie, les gars. On veut un maximum de likes pour ce but de Romain Danzé. Dédicace à toi, poteau. Dédicace à toi, SOS. Romain Danzé, le but à la 70e minute de jeu. C'est sûr, on perd 4-1, mais au moins on aura marqué avec Romain Danzé. C'est ce que je veux à chaque épisode de cette série. C'est de marquer avec le joueur que vous aimez. Romain Danzé, voilà, c'est un joueur qui kiffe SOS. Et du coup, bah voilà, il est dedans. Et il marque, bah, il marque Romain Danzé. Il est présent, les gars. C'est ça qui est bon. Les amis du ski, c'est présent, les gars. Un maximum de likes pour cette vidéo. Avec ce but de Romain Danzé. L'adversaire qui a fait pause là. Je sais pas ce qu'il fait. Il a pas aimé leur but de Romain Danzé. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Il assume pas. Il dit, mais comment c'est possible? Le mec, il a marqué avec Romain Danzé, quoi. C'est le moment, pas comment c'est possible, je crois. Au Pharo, c'est la pose de la manette, on va y aller avec Romain Danzé. Ah, il fait pause, c'est chiant. Il est casse-couille cet adversaire, mais on s'en fout. On a marqué avec Romain Danzé. Nickel. Je prends rien à dire. On va aller voir les stats de Romain Danzé quand même. 64 en agressivité, 78 en interception. Oui, c'est les marques, mais la finition, quand même. 52 de finition. Et vous avez vu cette petite balle procée là, qui s'est enroulée là. Mais voilà, 71 de tir de loin. Et c'est ça que je voulais marquer. Hein. Je voulais marquer un long shot avec Romain Danzé. 71, je crois, c'est vraiment pas mal. 39 ans, 1,84 m. On va faire chez tel qu'il fait. Voilà, c'est ta caractéristique frappeur de loin, il n'a pas de spécialité. 3 étoiles de mauvais, 2 étoiles de mauvaise technique. Et voilà, hein, franchement, une frappe de loin, j'aimerais marquer une petite frappe de loin avec Romain Danzé. Tout à l'heure, on a c'était pas trop mal parti. Allez, c'est bon, on va faire ça. On va rejouer. Bon, on ne peut pas faire tourner. Bon, non, on était plus sérieux, mec. Oh là là, cet adversaire, mais franchement, mais comment tu peux être comme ça? Là, c'est un fil à la balle encore. Entrée Jonas à la place de Pato. Heureusement là, parce que là on s'est trouvé avec notre défenseur Al-Kabila. Allez, premier penalty, penalty, ça va être peut-être les gars le doublé de Romain Danzé, le doublé de Romain Danzé. Les ronds. Romain Danzé, le doublé. 80e minute de jeu. Romain Danzé qui va mettre ce doublé grâce à cette penalty. On est revenu 4 buts à 2. Franchement, je suis super content. On va perdre ce match, c'est certain. De toute façon, mon adversaire a vu comment il joue derrière, il va faire tourner. Mais au moins, on a remarqué un doublé avec Romain Danzé. C'est le tip-top, les gars. Franchement, SOS, cette vidéo, elle est pour toi et ce doublé, il est pour toi, mon gars. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes à cette vidéo pour ce doublé de Romain Danzé et à me dire dans les commentaires
quel joueur que vous adorez et quel joueur vous voulez voir. Parce que là, franchement, on est comme ça à chaque fois, tête du tonnerre. Oh, Wilson. Oui, Wilson. On l'a amené à Robin Dantzé. Robin Dantzé pour le triplé. Oh, dommage, non, non. Oui, Robin Dantzé. En pénalty encore. Oh non, c'est. Oh non, Fofana. Oh là là. Le double contact là de. Oh, il y a un foot là. Oh, le double contact de Romain Danzé là. Ah, je sais pas c'est qui fait tomber, mais. Ah oh, putain, Fofana. Oh, je te là, on a failli marquer un triplé des Romain Danzé. Il a 3-2 collectifs, je crois, ou 2 même, je sais pas. Il n'y a pas de collectif. Ouais. S'entend bien avec les joueurs, mais voilà, c'est pas son poste, baby, c'est pas son poste, il était pour ça. Droit, mais les gars, vous pouvez faire jouer en buteur. Rien à voir, on s'en fout. Bon, faut peut-être, putain, mais il y a des fautes à se faire contre Théo. Ouais, ce serait bien un petit appel là. Un des deux mes joueurs qui vient faire la touche avec moi. Pas à chaque fois oublier, mais. Et le centre. La tête de Romain dans ses peut-être. Non. Le César. Allez, ce match est bientôt terminé. On est dans les arrêts de jeu, mon Titi. Allez, ça sort pas. Oh! Oh non, laisse-moi tirer! Et en plus, Romain est dans Zemar. On s'en fout, les gars, on le compte triplé de Romain dans Zemar. De toute façon, il était plus dans son but, dans tous les cas, alors il est rentré. Romain dans Zemar, triplé, les gars. Maximum de likes. Allez, Romain dans Zemar. Donc, les gars, on like, on partage, on me suit sur Twitter et sur Facebook si vous avez l'un ou l'autre. Vous me dites dans les commentaires. Quel joueur vous voulez voir pour le prochain épisode du joueur de l'abonné? Je pense que ça va lancer une série. Franchement, maintenant la connexion avec les serveurs interrompue. Non, mais sérieux, c'est quoi le délire? Quitter Ultimate Team. On a marqué les gars un triplé avec Romain Danzé et on nous quitte Ultimate Team. C'est pas sérieux. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.